Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog d'un week-end et ça va être vraiment cool parce qu'on s'en va à Montréal au Lasso Festival. Donc, en fait, pour faire un petit, une petite histoire, je me suis fait inviter au Lasso Festival dans la zone or pour le week-end entier, donc vendredi et samedi, les deux soirs du festival. Évidemment, mon plus un est Jean-Benoît. Et en fait, le Lasso Festival, si vous le savez pas, c'est la première édition de ce festival à Montréal qui est un festival 100% country. Et vous savez à quel point j'aime le country. Quand Luke Combs est venu au festival d'été cette année, je capotais. J'ai mon chapeau de cowboy qui est par terre. Bref, mon chapeau de cowboy est prêt. Ça va tellement être le fun. Fait que là, moi, Jean-Benoît, on vient de terminer de travailler en ce vendredi après-midi et on prend la route jusqu'à Montréal. Le Lasso Festival est au parc Jean-Drapeau. Dans le fond, c'est les mêmes installations que Oshaga. Donc, on va aller se parquer à Longueuil pour prendre le métro pour aller sur le parc Jean-Drapeau. Et puis, ce soir et demain soir, on s'est pris un hôtel au centre-ville de Montréal. Fait que je vais tout vous montrer ça. On a prévu aussi une petite avant-midi sur Sainte-Catherine samedi matin et une petite avant-midi au Mont-Royal dimanche matin. Fait que bref, ça porte avec nous. Je vais vous montrer tout le festival. Ça va tellement être le fun. Je suis tellement reconnaissante de m'être faite inviter. C'est la première fois que je me fais inviter, je pense, à un aussi gros événement. La première fois que je me fais inviter à un festival aussi. Et je ne suis jamais allée à un festival à part le Festival d'été de Québec. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer là-bas. Ça va être vraiment cool. Il y a des artistes de feu. Ce soir, c'est des artistes qu'on connaît un peu moins. Fait qu'on va toutes les découvrir. Ça va être vraiment cool. Mais demain, il y a Matt Lang, il y a Kelsey Ballerini, que c'est comme une de mes préférées en country. Il y a Luke Bryan, qui est comme une icône. Fait que ça va être tellement le fun. Je vous apporte avec nous. Fait que là, on va pack tes chars parce que ma valise est prête là. Puis on va s'en aller vers Montréal pour aller passer la fin de semaine au Lasso Festival. Avant de partir, je voulais vous montrer mon outfit parce que je me suis quand même vraiment forcée pour ce festival. Donc ça, c'est mon chapeau de cowboy que vous allez voir tout le temps, mais je peux pas vous mettre la référence parce que je l'ai acheté à une petite artisane de Saint-Tite. Ensuite de ça, j'ai une robe longue comme ça, brune qui vient du Ardennes que j'aime tellement parce que dans le fond, vous pouvez voir tout le dos est ouvert puis il y a comme un lacet que t'attaches autour de la taille. Elle est tellement belle, les deux côtés sont en fente. Fait que bref, je trouve que ça est vraiment country. Puis je vais mettre des espadrilles dans les pieds parce que évidemment on va quand même dans un festival. Fait que c'est mon premier outfit, je vais vous montrer mon deuxième demain. Je me suis quand même renforcée pour mon outfit. Of course, j'ai mes bijoux or comme d'habitude, mais j'adore ma rhum. Fait que bref, là j'arrête de vous parler puis on prend la route. Officiellement samedi matin, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé, mais honnêtement, hier on est parti de Québec, puis après ça on est arrivé au festival, et rendu au festival, honnêtement, je peux pas vraiment vous vlogger parce que vous entendriez rien, il y a de la musique. Fait que, on est arrivé hier à l'hôtel, on est au nouveau hôtel, je vous ferai un petit tour au pire tantôt, mais on est arrivé hier à l'hôtel, il était genre minuit,
Puis on s'est couché direct. Fait que je voulais vous faire un petit recap de notre première soirée au Lasso Festival. C'était tellement le fun. Honnêtement, vu que c'est le seul festival que je suis allée à part le Festival d'été de Québec, c'est sûr que je le compare un peu au Festival d'été de Québec. Et premièrement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment moins de monde. C'est sûr que le Lasso Festival, c'est un festival. C'est un festival plus niché. Fait que il y a moins de monde, mais il y a vraiment moins de monde qu'au Festival d'été de Québec. Par contre, les installations sont folles. Il y a des restaurants partout, des bars pour l'alcool partout. C'est magnifique, vous avez vu là, dans les clips précédents de la soirée d'hier. Bref, c'est vraiment beau. Ça, il faut le dire, là, c'est magnifique. Nous, on était dans la zone hors du Casino Montréal, donc plus haut. Je voyais super bien, j'en ai ri un peu loin. Il était genre, c'est la première fois que tu vois le monde sur scène d'un festival. Et honnêtement, oui, parce que je suis tellement petite d'habitude que dans la foule, je ne vois rien. Fait que c'était vraiment cool. Fait bref, ça a été une première soirée un peu d'observation, puis tout. On a mangé des poutines incroyablement bonnes, vous avez vu ça aussi. Et puis là, on est venu se coucher ici au nouveau hôtel. On a réservé cet hôtel-là parce que quand on est allé en 2020, si je ne me trompe pas, à Toronto, on avait pris cet hôtel-là qu'on avait adoré. Puis on s'est rendu compte qu'on avait mis dans le centre-ville. Fait qu'on on a pris, puis on est toujours autant satisfait, sérieusement. Pour le prix, là, la chambre, elle est magnifique. Puis on est à côté de Sainte-Catherine. Fait que ça, c'est le recap de notre soirée d'hier. Et puis là, ce matin, on vient de se réveiller. Il est presque 10h. Moi, je sors de la douche. Jean-Denis est en train de faire des recherches pour me trouver un resto pour aller déjeuner, dîner, peu importe, sur Sainte-Catherine. Et on va aller faire un petit tour sur Sainte-Catherine. Je sais pas si mes informations sont bonnes, mais à ce que j'ai su, le seul H&M Home qu'on a au Québec est sur Sainte-Catherine. Fait que je vais aller là aujourd'hui. Fait que c'est le plan de la journée. Si tu veux aller dans un petit resto, déjeuner, dîner et aller au H&M Home parce que je veux être sur le festival à 3h maximum parce que ce soir, c'est vraiment toutes les artistes que je veux le plus voir. Hier soir, il y avait One Dominion que vous avez vu en première partie. Sérieusement, ils étaient excellents. C'est un groupe country. Vraiment, vraiment excellent. Puis en comme tête d'affiche, c'était DX Bentley, je sais jamais comment dire son nom. Mais bref, celui-là était super bon aussi. Mais honnêtement, c'est pas mes préférés dans le country et ils sont tous aujourd'hui. Fait que je vais vous dire c'est qui qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premièrement, à 3h10, je vais voir Robbie Ottolini, qui est une fille country que j'adore ses chansons, surtout F-150, je pense. J'adore. Après ça, à 15h45, c'est Matt Lang, qui est un Canadien très populaire dans le country. Ici, il est venu au Festival d'été justement cette année en première partie de Luke Combs et c'était juste incroyable. Ensuite de ça, je veux voir, après ça pour la soirée, The Reclass qui est à 6h, qui eux autres c'est un couple. Ben, je sais pas s'ils sont ensemble, là, mais bref, c'est une fille et un gars qui font du country, super bon. Ensuite de ça, à 20h10, c'est Kelsea Ballerini et elle, c'est celle que j'ai le plus hâte, je connais toutes ses chansons. Je l'avais découvert au Festival d'été de Québec en première partie de Mariah Carey, genre 2018 ou en 2019 là. Puis depuis ce temps-là, j'écoute toutes ses chansons. Fait que quand j'ai su qu'elle venait au Lasso, je capotais. Et finalement, la plus grosse tête d'affiche à 20h10, Luke Bryan, of course, qui est comme... En tout cas, pour moi, les deux grands du country en ce moment, c'est Luke Bryan et Luke Combs. On n'a peut-être pas le même avis, mais bref, on a vu Luke Combs au Festival d'été et on va voir Luke Bryan ce soir. Fait que bref, c'est vraiment aujourd'hui la grosse journée de tous les artistes que je veux voir. Fait que ça va être vraiment cool. Je vais vous montrer mon outfit tantôt, on va revenir pour que je me rechange parce que là, je voulais pas mettre mon outfit du festival pour aller sur Sainte-Catherine. Fait que c'est le plan de la journée. Of course, je vous apporte comme hier avec nous. Évidemment, sur le festival, je vous parlerai pas parce que, comme je vous ai dit, je vous entendrai rien. Mais je vous montre toute notre journée. Fait que là, je finis de me préparer. Jean-Benoît va venir prendre sa douche. Puis, on va s'en aller manger, aller au H&M Home, se promener un petit peu. Puis, revenir se changer pour être parti pour 2 heures en métro pour aller au parc Jean-Drapeau sur le site du festival. Bon, on vient de revenir de notre avant-midi sur Sainte-Catherine. Ça a vraiment été le fun. On a marché, on est allé se promener un peu dans les magasins et on est allé manger au Expectation. Comme vous avez vu, c'était super bon. Fait que là, on vient de revenir à l'hôtel. Il est 1h, je me suis changée. Fait que je voulais vous montrer mon outfit. Donc, mon haut et mon bas viennent du Dynamite, noir comme ça. Donc, le haut, c'est comme une vraiment, vraiment crop
camisole. Et les pantalons, c'est, je sais pas si vous pouvez bien voir là, mais c'est des pantalons serrés à la taille mais lousses dans le bas. Puis j'ai rajouté une petite ceinture or que j'ai pris au Simons et mes bijoux habituels avec mon chapeau de cowboy comme hier. Fait que j'aime vraiment mon outfit. Fait que là, dans le fond, le festival ouvre à 1h, mais les shows commencent à 2h. Fait que nous, on voudrait être là vers 2h, 2h30 parce qu'elle à 3h, je veux vraiment la voir. Fait qu'on va partir d'ici 15-20 minutes. On va aller prendre le métro, c'est une demi-heure de métro, aller chercher nos billets, puis on s'en va au festival. De vous terminer le vlog hier. En fait, on s'est levé hier matin, donc dimanche matin, et on s'est rendus directement à Québec. On était supposé aller au Mont-Royal, mais honnêtement, on était les deux vraiment brûlés de notre fin de semaine, évidemment. Et ben, les deux, on travaille temps plein. Jamena, il a commencé sa job d'électricité la semaine passée, fait que c'était sa première semaine, fait que c'est sûr que c'est bien brûlant. Fait qu'on a décidé de juste revenir à Québec bien tranquille. Fait que bref, je vais vous faire un petit topo de notre fin de semaine au Lasso Festival. Comme vous avez vu, on a tellement eu du fun. C'était incroyable. On est tellement... On se parlait de tout le monde, Jamena, puis je me sens vraiment reconnaissante de pouvoir avoir des événements comme ça, de se faire inviter à des festivals comme ça, puis ça, ben, c'est grâce à vous. Fait que c'est rare que je vous dise ça, mais un énorme merci de me suivre autant ici que sur Instagram, parce que sans vous, ben, je vivrais pas des événements comme ça. Donc, un gros merci à vous. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que les réseaux sociaux m'apportent. Fait que, c'est ça qui est ça. L'année prochaine, l'Asso Festival 18 et 19 août, si je me trompe pas. Donc là, c'était la première année et ça a été vraiment un énorme succès. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça l'année prochaine. Puis ben vous, si la musique country vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. Le site était juste incroyable. Les shows étaient fous. C'est deux, vous avez sûrement remarqué là, mais c'est deux scènes une à côté de l'autre. C'est comme au Chaga. Fait que dans le fond, ils se relaient. Donc il y a à peu près 5 à 10 minutes d'attente entre chaque artiste. Fait que c'est vraiment vite. Vous n'allez pas attendre comme 20 à 30 minutes dans full. Il y a tout le temps des artistes qui jouent. Il y a une grande roue. Des restaurants partout, des bars, plein de sortes. Il y avait un stand de Fireball, un stand de Aperol Spritz, un stand de Sangria, en plus des bars normales avec de la bière et tout. Bref,
C'était incroyable. On a passé une fin de semaine de fou. Bref, j'espère que vous avez aimé ça. Ben, venez avec nous dans ce festival-là. Et si oui, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis ben, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui est bientôt les moving vlogs qui s'en viennent. Donc, manquez pas ça. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!